Équipe type du Maghreb FC 2022, 6 Marocains, 3 Algériens et 2 Tunisiens. L'équipe type du Maghreb FC de l'année 2022 est composée de 6 Marocains, 3 Algériens et 2 Tunisiens. Nous vous en disons davantage, dans la suite de cette édition du mercredi 28 décembre 2022. Restez branchés. Durant toute la saison footballistique de l'année 2022, plusieurs joueurs du monde maghrébin ont fait rêver les supporters, notamment, avec leurs performances et leurs talents. Ainsi, une équipe type du Maghreb FC a été établie pour l'année 2022. Vous êtes intéressé et vous voulez en savoir plus de détails à ce sujet? Cela tombe bien, Zahir Daily vous dévoile davantage d'informations dans les lignes qui suivent. Que ce soit des défenseurs, des attaquants ou encore des gardiens, nombreux sont les footballeurs qui ont percé au sein de leurs équipes nationales. Mais aussi, avec leur club. Aujourd'hui, 6 joueurs de l'équipe du Maroc, 3 Fennecs ainsi que 2 Tunisiens ont été choisis en équipe type disposée en 4-3-3 pour l'année 2022. Au fait, le journaliste sportif Djali Nabil s'est chargé d'élaborer l'équipe type des joueurs maghrébins. Avec la participation de l'envoyé spécial du média L'Équipe, à savoir Mathieu Grégoire. D'ailleurs, le consultant football avait partagé, sur son tweet, les détails de l'équipe type préalablement élaborée. Voici l'équipe type du Maghreb FC 2022. Sans plus tarder, l'équipe de Zahir Daily vous citera les noms des footballeurs qui font partie de cette liste juste ci-après. Comme mentionné plus haut, 6 Lions de l'Atlas, 3 Verts et 2 Aigles constituent l'équipe type. Celle du Maghreb FC pour l'année 2022. Pour ce qui est des Marocains, c'est le vainqueur du trophée Zamora, Yacine Bounou qui a été choisi comme gardien de l'équipe. En plus de l'arrière-droit du PSG, Achraf Hakimi qui a brillé lors du Mondial au Qatar. Ainsi que le défenseur central de West Ham United, Naïef Aguerd. Outre le milieu de terrain Sofiane Amrabat, l'ailier du Maroc, Sofiane Boufal, et Youssef En-Nesyri, l'attaquant du Séville FC. Pour les Fennecs, c'est le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, qui a été choisi. À côté du défenseur algérien, Rami Ben Sebaini et le milieu de terrain Ismaël Benassé. En plus des Tunisiens, Montassar Talbi et Aïssa Laïdouni, qui s'affichent sur la même liste.